Le premier vol en provenance de Sanaa, la capitale tenue par les Houthis, est revenu d'Aden, la ville rivale contrôlée par le gouvernement, avec des dizaines de prisonniers libérés. L'échange a été négocié par le Comité international de la Croix-Rouge. 6 aéroports au Yémen et en Arabie Saoudite seront utilisés pour faciliter l'opération. Il s'agit de l'échange le plus important entre les deux parties depuis 2020. Il intervient après la dernière série de pourparlers de paix entre l'Arabie Saoudite et les représentants des Houthis. Les responsables affirment que de nouvelles discussions sont nécessaires pour aplanir les divergences qui subsistent. Les deux parties ont salué cet échange de prisonniers. Nous accueillons aujourd'hui les héros des forces armées. C'est une grande opération d'échange de prisonniers. Il s'agit d'une étape positive. Nous espérons pouvoir libérer tous les membres du personnel capturé et rechercher les personnes disparues afin d'obtenir des résultats positifs. Il s'agit d'une étape importante dans le processus humanitaire et d'un grand pas vers la paix.